Si vous avez envie de réinitialiser votre smartphone, que ce soit pour une revente ou encore tout simplement pour offrir à une personne que vous ne connaissez pas ou peut-être à un proche, alors il est impeccable de savoir comment le réinitialiser. Et plusieurs personnes pensent que réinitialiser leur téléphone en allant dans les réglages, ça permet de supprimer toutes les données. Alors détrompez-vous parce que plusieurs autres données peuvent être tout simplement récupérées grâce à des applications hyper développées. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter la solution qui va vous permettre de réinitialiser votre téléphone en un seul clic, de manière rapide et facile. Hello! Like, subscribe. L'application que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est une solution tout en un qui va tout simplement vous permettre de gérer plusieurs autres fonctionnalités, notamment transfert des données, la récupération des données, ainsi la réinitialisation de votre smartphone. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous les laissez dans les commentaires. Avant de commencer cette vidéo, premièrement, laissez un like et si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici, je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC et aussi comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent en ligne. Donc, si ça vous intéresse, alors cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la petite cloche de notification afin d'être notifié à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. On commence le tutoriel maintenant. Cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo et vous allez être dirigé sur cette page. Ici, c'est une application qui est une solution pour tout problème pour les iOS ainsi que sur les Android. Actuellement, cette application elle est disponible sur Windows et sur macOS, donc pour le télécharger et essayer cette application gratuite, alors cliquez sur téléchargement gratuit. Une fois l'application téléchargée, il va falloir tout simplement installer. Si vous ne connaissez pas comment installer, alors voici les étapes très simples. Et moi, j'ai déjà installé, donc je vais maintenant aller ouvrir une autre application. Voici l'interface de notre application. Donc, c'est une application plusieurs en un. Premièrement, elle va nous permettre de déverrouiller l'écran des iPhone et aussi des Android, changer la localisation, transférer les conversations WhatsApp et autres réseaux sociaux. Ensuite, récupération des données, réparation des données, transfert des données, effacer les données. Ensuite, la gestion de mots de passe. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est tout simplement effacer les données. Et toutes ces différentes autres fonctionnalités, j'ai déjà fait la vidéo par rapport. Vous pouvez tout simplement retrouver ces vidéos à la description de celle-ci. Donc, on va cliquer sur effaceur de données. Voici l'interface de l'application Wondershare Doctor Phone effaceur de données. Dans cette vidéo, il sera question de tout simplement effacer les données de notre Android afin de permettre la vente. Ce qu'on va faire là, on va aller dans les paramètres. Une fois ici, on va descendre tout en bas, aller sur à propos du téléphone et maintenant on va tapoter ici 9 fois. Maintenant, l'option développeur sera activée. On va retourner là. Ensuite, on va venir option de développeur. Donc, puisque c'est activé, on va descendre. Et on va activer ceci, débocage USB. Et maintenant, ce qu'il va falloir maintenant faire, c'est connecter notre appareil. Mais avant, si ça va dépendre de votre appareil, cette application elle est disponible sur tous les Android, notamment les Google, Samsung, HTC, Huawei. Donc actuellement, nous avons notre Huawei qui est là. Voilà, la connexion a été effectuée. Maintenant, on va sélectionner Huawei. On va appuyer sur suivant et on va appuyer sur démarrer pour effacer toutes les données. Entrer le mot de passe 60. Et on va appuyer sur effacer maintenant. L'application va se charger de supprimer tout ce qu'il y a dans notre téléphone. Donc on va se retrouver tout simplement après la suppression. Voilà, actuellement les étapes sont presque terminées. Ce qu'on va faire, c'est assez simple. On va tout simplement venir là. On va descendre, on va aller sur restaurer les valeurs d'usine. Et là, on va appuyer sur initialiser. Voilà, comme vous pouvez voir, on dit effacement terminé. Notre appareil va tout simplement redémarrer. Et voilà, grâce à Wondershare Doctor Phone, on a pu réinitialiser notre téléphone. Maintenant, je peux tout simplement aller l'offrir à mon proche ou encore tout simplement, si je veux, je peux tout simplement vendre ceci sans aucun souci, sans avoir peur que peut-être une personne peut récupérer mes données, que ce soit les photos, vidéos et autres. En tout cas, je tiens déjà à dire merci à notre sponsor d'aujourd'hui, Wondershare, pour avoir sponsorisé cette vidéo, car c'est grâce à eux que cette vidéo a été possible. Dites-moi dans les commentaires quel appareil est-ce que vous voulez réinitialiser. Et si vous avez envie de transférer vos conversations WhatsApp d'un téléphone Android à iPhone ou encore vice-versa, alors cliquez cette vidéo-ci. Mais si vous avez envie de changer votre localisation, aller dans n'importe quel pays sans toutefois bouger de votre maison, alors cliquez celle-ci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.